Ça, c'est la fin. Donc, Saïd tient ce restaurant depuis 25 ans à Longjumeau. En 24 heures, il a été ravagé par les inondations. En 3 heures de temps, il est monté 1,50 m. Jeudi soir, l'eau a commencé à monter dans sa cave avant d'attaquer la salle. Le piano, il y avait toutes les tables rondes, etc. Tout ça, ça a volé. Mais c'est dans la cuisine que les dégâts sont les plus importants. Le sol, il s'est même affaissé. Alors donc tout ça, toutes les matières premières, ça a dégagé. La chambre froide, la trancheuse, tout ce qu'on a mis 25 ans pour le faire. Des dommages considérables dans ce restaurant âgé de plus de 150 ans, l'un des plus vieux de Longjumeau. 25 ans, qui part tout ça, qui part en l'air, des tableaux, des gens qui sont passés là, des gens qui ont disparu, qui ont laissé des traces. Il y en a, il m'a laissé une trompette, l'autre il m'a laissé ça, l'autre il m'a laissé un tableau, chacun a laissé quelque chose. Donc tout ça réduit à zéro, oui, effectivement. C'est toute la ville de Longjumeau qui a été encerclée par les eaux. Cette habitante a été prise au piège chez elle. La crue est montée jusqu'à 1,50 m, laissant de nombreux dégâts. J'ai dû sortir mes meubles avec une amie et nettoyer parce qu'on a beaucoup de boue, parce que c'est de l'eau d'égout, donc de l'eau pas propre du tout. Et donc on a eu du sable, on a eu plein de saletés, des vers, etc. à l'intérieur de l'habitation. La ville est désormais une zone sinistrée. Pour les habitants, il faut repartir de zéro. Le plus dur commence.